Dans la recherche, il faut trouver le rythme qui correspond à chaque projet. Il faut savoir être réactif, attraper la balle au bon, être rapide dans l'analyse et la mise en œuvre. À l'inverse, parfois, il faut aussi savoir prendre son temps, réfléchir à plus long terme, aborder sereinement chaque étape de recherche comme un pas de plus vers la solution. Je m'appelle Pierre Escalet. Je suis ingénieur à la direction recherche et développement du centre de recherche d'Arkema à Lac. Mon métier consiste à développer et tester en laboratoire des solutions pour recycler une nouvelle génération de matériaux composites qu'Arkema est en train de développer. En gros, nous fabriquons des objets, puis nous les cassons pour les recycler, de façon à rendre réutilisables les matériaux qui les composent. Dans l'éolien par exemple, les pales sont actuellement fabriquées en matériaux composites traditionnels qui ne peuvent pas se recycler. Ici, nous travaillons sur une résine permettant de fabriquer des composites entièrement recyclables. Cette résine est une innovation majeure car elle ouvre la voie pour la première fois à des pales d'éoliennes recyclables. L'enjeu est important quand on voit l'essor de l'éolien partout dans le monde. Nous apprenons à séparer notre résine des autres composants afin de les récupérer pour les réutiliser. Nous travaillons sur cette technologie depuis 8 ans et nous avons fait les deux tiers du chemin. Nous avançons sereinement, confiants en notre savoir-faire. C'est aussi ça la recherche. Savoir être patient et proposer des solutions sur le long terme pour préparer l'avenir. C'est ce que nous faisons chez Arkema.